Salut à toi tous, bienvenue à vous dans ce guide de quête Beyond the Red Meat, par-delà la viande rouge, partie 1 sur les rues de Tarkov, qui va vous demander de trouver, de localiser du coup les informations culinaires, les secrets culinaires du restaurant Beluga sur les rues de Tarkov. Il faudra donc aller sur les rues de Tarkov, pas besoin de clé pour celle-ci. On est au niveau du croisement, vous avez la carte en haut à gauche comme d'habitude sur ces guides. Vous avez au cas où juste ici le Pinewood principal, l'hôtel ici qu'on a juste ici avec le truc médical juste là. Vous avez ici, à côté de Téléspot, le Beluga. Voilà, le petit Beluga ici. On va pouvoir rentrer directement et monter au troisième étage. À gauche, vous avez l'escalier ici en colimaçon. Vous allez monter jusqu'au troisième, deuxième, troisième. Le voici, le dernier étage de toute façon. Vous allez aller au niveau du bar. Vous avez deux portes ici. On va prendre la plus rapide qui est donc la porte de gauche. Hop, vous allez aller là, on passe le frigo, il y a des corps ici, mais on s'en fout un petit peu. Nous, ce qu'on cherche se trouve ici. Alors, moi, je l'ai ici. Je vais le prendre. Y en a-t-il d'autres? Y en a-t-il d'autres? Tout simplement, non. Voilà. Alors, il risque d'y avoir peut-être d'autres spawns. Regardez un petit peu partout. En tout cas, ça a l'air logiquement d'être dans cette salle, dans cette cuisine-là. S'il y a d'autres spawns, n'hésitez pas à chercher à droite à gauche. Pour l'instant, c'est vrai que la quête vient de sortir à l'instant. J'ai trouvé celui-là pour moi sur ma session de jeu. Vous regardez bien un peu partout au cas où. Ça ne spawn pas à 100% ici. On sait que maintenant Tarkov font un petit peu des spawns dynamiques sur les quêtes. Regardez un peu par là, regardez par ici. Ouais, peut-être là-dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous pouvez évidemment trouver les objets ici à d'autres endroits. Donc je vous rappelle que cet objet-là, c'est un petit carnet ici, Chef Diaries, avec dedans les petites valuable data, hein, les informations du restaurant Beluga. En tout cas, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça ferait extrêmement plaisir, notamment pour l'algorithme et puis pour le travail qui est fait derrière. On se retrouve, nous, sur Twitch. J'espère pouvoir te stream peut-être demain, on verra, en fonction du travail que j'ai. Et puis, j'ai fini mes vacances, donc je suis bien content. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une excellente journée, passez sur le Twitch. Allez, à plus, ciao, ciao.